Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver et bien pour entamer cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 18 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. On va continuer avec ce magnifique oracle, n'est-ce pas, qui est la fleur de vie, qui nous aide à recréer l'ordre naturel aussi bien dans notre fort intérieur que dans notre entourage. Et elle nous rappelle que nous faisons tous partie de la création divine, n'est-ce pas, et que nous sommes tous en relation les uns avec les autres. Et lorsque nous aspirons à développer une qualité dans notre vie, cela peut être, par exemple, le pardon, le courage, la créativité, etc. Cette belle fleur de vie nous aide à réaliser notre objectif et cette fleur de vie nous accompagne jour après jour sur la voie de l'épanouissement profond et durable. On terminera par le message de ton âme, mais avant tout, la petite philosophie de ce matin, pensée positive, réponse. Souvent, les événements extérieurs sont une réponse à notre état d'esprit intérieur. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai pigé volontarisme. C'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour tous les autres, qui avancent également sur ces routes. Alors, il est évident que les énergies réconfortantes du courage et de la confiance te traversent peut-être actuellement de manière particulièrement intense. Il est maintenant temps. Oui, il est temps de réaliser tes idéaux. Grâce à ta persévérance et à ton volontarisme positif, plus rien ne s'oppose désormais à la réalisation de tes désirs. Rien ne peut empêcher ta victoire. La fleur de vie, elle t'ouvre le portail qui conduit à tes objectifs. Que ça soit au point de vue professionnel, amical, sentimental, familial, etc. C'est grâce à la confiance inébranlable dans ton volontarisme que tu as mérité cette récompense. Dans le même temps, cette fleur de vie te procure de nouvelles incitations pour tes projets dont la réalisation est censée débuter aujourd'hui, maintenant, présentement. Sois très attentif dans les jours à venir à un certain nombre d'idées ou à certains rêves qui peuvent apparaître soudainement. Il se peut qu'ils contiennent justement des informations importantes concernant tes projets et tes prochains objectifs. Cette carte, elle vient à ton aide. Elle vient à ton aide pour que tu puisses atteindre tes désirs tout à fait personnels ou les objectifs de ta vie de la manière, la plus positive qui soit. Tu as maintenant l'occasion de te servir de cette force motrice considérable et de réaliser ainsi grâce à elle une nouvelle percée dans ta vie.
Ton défi aujourd'hui, eh bien, si le volontarisme représente un défi pour toi actuellement, il s'agit donc, eh bien, d'identifier ici et maintenant le pourquoi de cette angoisse devant ta propre énergie ainsi que devant celle de tes capacités. Pourquoi es-tu angoissé? Pose-toi cette question. Pourquoi quelqu'un ou quelque chose voudrait-il t'empêcher de poursuivre tes rêves et de les réaliser? Ça vient peut-être de ton entourage, peut-être de ton compagnon, de ta compagne. Pose-toi les questions. La fleur de vie, eh bien, elle t'encourage. Elle t'encourage dans tes tentatives de t'assumer et de poursuivre tes objectifs ainsi que dans la volonté de ne pas te dénaturer dans le seul but de correspondre à la conception que tes semblables ont de toi. C'est toi, les autres ne doivent pas faire ce qu'ils ont envie que tu sois. La géométrie sacrée de la fleur de vie, eh bien, présentement, elle t'ouvre une possibilité de te permettant ainsi de dépasser tes peurs et d'éveiller ton courage ainsi que ton volontarisme. Aie confiance en toi. Tu as toutes les cartes en main pour aboutir à tes désirs et pour aboutir à tes projets et à les réaliser. Tu es vraiment très, très, très volontaire, donc confiance, confiance en toi. Belle guidance, n'est-ce pas, pour commencer cette semaine. Je termine avec le message de ton âme. Ah, ben écoutez, il n'y a pas de hasard. Vous savez bien que le hasard n'existe pas. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Eh bien, sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Eh bien voilà, persévérance, volontarisme, tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous entreprenez, persévérez et avec la volonté, vous allez y arriver. Quel beau message de ton âme, vraiment. Encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de mettre un pouce, de cliquer sur le pouce pour que YouTube puisse mettre en avant ma chaîne, faire connaître ma chaîne YouTube, que l'algorithme puisse faire connaître, mettre en avant ma chaîne. Donc, cliquez sur le petit pouce, ça me ferait tellement plaisir. Donc, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message et une nouvelle guidance intemporelle. Et d'ici là, eh bien, moi, je vous embrasse. À demain.